La deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a réuni les pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 27 janvier 2023 à Cotonou. Sincèrement, la bienvenue dans ce beau pays qu'est la République du Bénin. Pour cette deuxième session du Conseil des ministres, qui est une étape importante de notre jeune institution. Je souhaite particulièrement la chaleureuse bienvenue à nos illustres hôtes ministres. Le Bénin s'honore de vous accueillir en cette occasion et je voudrais ici vous exprimer du fond du cœur les sincères sentiments d'amitié et de fraternité de tout le peuple béninois. Je félicite les membres du Conseil d'administration pour tout le travail qui a été accompli, ainsi que le secrétariat exécutif. Nous avons suivi tout à l'heure, dans l'intervention du vice-président du Conseil d'administration, les éléments nécessaires. Je voudrais aussi, en ce début d'année, puisque nous sommes toujours au mois de janvier, vous présenter mes meilleurs voeux, mais surtout de santé, et de santé, et de santé. Parce que je sais qu'avec ça, chacun de nous pourra se débrouiller pour avancer dans la mise en œuvre des responsabilités qui lui incombent. Je formule le vœu que nos efforts contribuent significativement cette année 2023 à renforcer davantage la contribution de l'Alliance à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et je souhaite que l'année 2023 soit celle de la concrétisation effective des ambitions placées par l'Alliance, par les différents gouvernements de nos pays membres. Mesdames, Messieurs les ministres, honorables invités, en tant que socle de développement et en raison de son caractère stratégique, il ne fait aucun doute que le secteur de l'énergie constitue pour le gouvernement du Bénin, une grande priorité et un important levier au service de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. Et depuis 7 ans que le président Patrice Talon a pris les rênes de ce pays, il ne cesse d'agir, il ne cesse d'intervenir pour que ce secteur puisse avoir la vigueur, le nécessaire pour jouer son rôle historique de socle de développement. Je veux saluer, bien sûr, les travaux qui ont déjà commencé et féliciter le président du Conseil des ministres, le premier président du Conseil des ministres. Ça restera dans votre histoire personnelle, mais ça restera dans l'histoire aussi de cette jeune organisation qui commence sa vie. Et je veux féliciter le président du Conseil d'administration ainsi que les membres du Conseil d'administration qui ont, comme nous l'avons écouté tout à l'heure, bien travaillé au cours de ces 2 dernières années. L'objectif de l'Alliance est clair et connu autour du biodigesteur, autour de l'énergie qui nous manque tant et dont nous avons besoin. Mais en même temps, c'est une grande question de changement climatique puisque en voulant développer l'énergie, en voulant rendre l'énergie disponible dans tous nos foyers, nous détruisons en même temps le couvercle végétal dont nous avons besoin pour protéger notre environnement. C'est toute la problématique qui nous réunit autour du biodigesteur et je veux saluer l'initiative de mettre ensemble plusieurs États, nos États, autour de cette question. Tant le problème est commun, surtout en Afrique de l'Ouest, nos pays sont identiques dans la dimension de comment l'énergie est générée, dans la dimension de comment en même temps le couvert végétal est détruit et dans la nécessité justement d'utiliser le peu de couvert végétal pour générer cette énergie-là. Au thème de cette matinée de travail, la satisfaction se lit dans les propos des participants. Bon, je voudrais dire 2 choses. Je suis très heureux, je crois. Je peux parler
en ces termes au nom de tous les ministres qui sont à Cotonou, dans le cadre de la deuxième réunion du Conseil des ministres de l'Alliance. Nous sommes là pour créer les conditions d'une meilleure performance de l'Alliance que nous avons mise en place il y a 4 ans. Il faut rappeler que la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre a permis dans l'après-midi de procéder à une passation de charge à la tête de ce Conseil.